Salut à tous et bienvenue pour un nouveau stream sur Earth of Iron. Alors aujourd'hui c'est un petit peu différent parce qu'on va découvrir ensemble le nouveau DLC Man Tokens. Alors pour ça on va commencer une nouvelle partie, obligé. On va reprendre la France, d'habitude. On va prendre priorité historique parce qu'on est des thugs. Et on se lance. Et on va prendre. Une partie. France démocratique. Ah. Une partie. Alors, ah, si je veux bien. Alors clairement pour la France, ça va pas changer grand chose. Les États-Unis et l'Angleterre que ça va changer. Ça va bouleverser un petit peu. Pour la France, ça devrait pas changer grand chose, à part peut-être du coup le côté maritime, forcément. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit ? Alors déjà on voit que ça fait chier parce que du coup... On voit plus la date. Ok, bon bah tant pis. Quoi si je fais l'autre? Ah, ça cache le pétrole l'autre. Je vais quand même garder celui-là. Oui, on va rester comme ça. On prend l'affaire. Du coup... Carburant. Mon quotidien, stockage de carburant, consommation par jour, armée de terre, armée de l'air, marine, nanana, réserve de carburant. Et... domicile ville, moins 25%. Selon les chiffres de production actuels, nos réserves de carburant seront pleines dans plus de 5 ans. Le carburant est généré par la production excédentaire de pétrole du pays. Chaque pays a une capacité de stockage maximale de carburant. Ok. Forcément. Bien. La France étant ultra pauvre. Manœuvre en mer. Ordonne à l'escadre de procéder à des manœuvres dans la région à proximité de base. De la base la plus proche, avec le temps, il y a des risques que les navires soient endommagés et les équipages ne gagneront. Ne gagneront plus en expérience une fois atteint le niveau normal. Les manœuvres font toutefois gagner en expérience navale. L'orgueil de la flotte est moins susceptible de subir un accident. Que les autres vaisseaux. L'orgueil. What?
Ouais, ok. Invasion navale, corde de convoi, attaquer des convois, force de frappe. Patrouille. Ok. Oh. Ça a l'air assez pointu. Je vais essayer de regrouper tout ça. Pas les c'est quoi? Je comprends que dalle, et c'est pas grave. Oh, pourquoi j'arrive pas à les mélanger? Bon, on verra ça après. Pas le plus important. Alors, placement de recherche. Voir ce qu'il y a de nouveau, ce qui a changé dans le naval. Oh! Cuirassé super lourd. Ouais, ils ont un petit peu. Le ripack le truc. Pierre de mine. De tir, croiseur de bataille, cuirassé. Croiseur lourd, croiseur cuirassé. Batterie secondaire. Permet coque de cuirassé super lourd. D'accord. Croiseur, blindage croiseur basique. Durée de la recherche 202 jours, 83 si on est prêt à payer 50. Ok. Sonar. Ah, et pour les destros, du coup, t'as le sonar.
Lance-grenade sous-marine. Ah ouais, c'est vraiment pour taper sur les sous-marins. Porte-avions, par contre, c'est... basique. Simple. Simple mais basique. Ça, ça a pas l'air d'avoir trop changé. Ça, c'est spécialisé cuirassé, manœuvre. Diviser les temps de recherche et tout grâce à l'expérience. Waouh. Bon, là-dessus, y a rien qu'à changer de toute façon. On part sur ça. Il y a du changement là. Raffinage. Carburant produit par unité de pétrole 20%. De débarrasser de ça par contre. Un petit peu gênant. Comme hop. Amiral. Ah, c'est lourd. Caisse navale, dommage.
en train de discuter. Attention, il y a Rick Salvette qui vient pour faire du multi. Ça rigole plus. Là, si dans une game multi, il prend la France fasciste, il part à droite, enfin à gauche, plutôt. Non, et non, soutenir la droite. Armée offensive, se rapprocher de l'Allemagne. Et là, ça fait France-Allemagne-Italie. Alors, mes petits soldats. Aux ordres. On va les modifier. On va enlever tout le matériel. Je vais voir ce que je peux faire. Ça, je garde. Ça, je dégage. Ça, je dégage. Ça, je dégage. Ça, je garde. Ça, je garde au cas où. Imaginons, je vais mettre là, que je fasse ça. Il y en a un qui est en transfert.
J'ai pas d'entraînement, c'est pour ça que ça baisse, je crois. Voir ce que ça fait quand il va arriver lui aussi. On est pas mal en vrai là. Je suis peut-être plus obligé de détruire mes troupes en fait maintenant. Je veux juste que je leur enlève tous leur. Ouais. Bref. Tant pis. Je verrai ça dans un an. Parce que par contre, il faudrait peut-être que je prenne que je commence quelque chose. Forme du gouvernement. Tac. Et d'un. Usine civile. Bien ce que ça fait ça. Carburant. Dans un an, nous manquerons de carburant. Pas vraiment étonnant. C'est quoi ça? What? Et tout ça? Alors attends. Chose. Alors, j'ai les fusils. Ok. Matériel de soutien, ok. Artillerie, ok. Char léger. Rien à foutre. Je peux faire un petit chasseur. Ça. Infanterie motorisée. Ça va pas me servir à grand chose non plus du coup. Tac, comme ça. Alors. Comme ça. Alors là, par contre. Attends, on va faire un test. Coque de croiseur. What the fuck? Pourquoi pas?
En fait, il faut créer les morceaux pour pouvoir créer le bateau. Réalisation 21 janvier 1939. 21 janvier 39. Ah mais c'est au moment de la guerre ça. Vas-y, casse-toi. 21 janvier 39. Oh. 38. 22 décembre 43. Bah oui. Évidemment. Oui, mais bien sûr. 16 juillet 1936. C'est mieux déjà. Mars, et mars, avril, ouais, pourquoi pas. Alors si je veux créer, n'importe Bionvion par exemple. Avion. Conversion de croiseur. What? Je veux faire un porte-avions? Ça. Ah. C'est un porte-avions. Ça ressemble pas à un porte-avions par contre. Ça, ça ressemble à un porte-avions. Pas trop près, Patty. Pas de ma gueule, c'est un porte-avions ça. Le classe Bern, c'est un porte-avions. Conversion de cuirassé. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Porte-avions historique. On est d'accord. Regarde. Anti-aérien. Oh poche. Permet à un porte-avions de taille moyenne d'atteindre la vitesse nécessaire pour utiliser des avions en toute sécurité. Batterie secondaire. De remplacer des. De rajouter des avions ou des batteries secondaires. Airplane. Ok. Du coup, faire ça là.
Flotte française. Une coque. Donc, en fait, c'est des coques, ça. Ça me sert à quelque chose de faire des coques. J'en sais rien. C'est ça la question. Ça sert à quelque chose de faire des coques de destroyer. Je range tout le monde là. Utiliser moins de pétrole pour commencer.
t'en fous. Ça aussi. Ça a pas l'air d'être des coques, hein. Ça a l'air d'être réellement des vaisseaux. Des vaisseaux de classe défense en fait, ça doit être ça l'icône. Troll un peu, mais c'est gentil. Ah, non, c'est même pas du troll en vrai. Divine légère, ça je garde. On va avancer un petit peu. Attention. Ça fait quoi si je lui mets une lune? Genre De Gaulle, tu le clair. Avec Maréchal, j'ai qui tient la route. Wigand, ouais, lui ça lui ferait pas de mal. Un petit level. Logistique. Là est plus badass, mais justement on va commencer du léger. Bon là c'est vraiment un début de partie hein, qu'on va faire. On va rien faire de oufissime. Il est où? Ok, en Indochine. Ah ouais, il est trop loin en fait, il peut pas venir jusqu'ici. Ou en Asie.
Ça y est, il a trouvé un chemin pour venir. Alléluia. L'Indochine, si l'Indochine tombe, eh ben l'Indochine tombera, hein. Attendez, on va se rajouter ça. Hop, document. Mercredi et jeudi à 21h. HOI plus Eric. Voilà, c'est programmé, c'est dans la boîte. Pas de suspense, pas de... Ça, c'est tout noté. J'ai perdu mes écrans. Revenez. Bon, ça s'en fout. Bon, ça, ça. On va enlever la pause. Ok, c'est noté. Voilà. Web. Tour sur TS. Bon, je me laisse jusqu'à décembre 36 pour faire de l'XP. Et après, hop dans les recherches, quoi. On peut pas être à plus de 5 sur un porte-avions. Waouh. Du coup j'en ai 8, ça fait 4 et 3. Pas officime. Mars 36, comme ça après les deux se créent en même temps. Décembre 44, oui, carrément. C'est violent quand même. Par contre,
peux pas choisir ce que je mets comme avion dedans, là. Sérieux? Trouver... Ah si, c'était là, putain. Ah, du coup, il y en a moins. Il y en a moins, moins, moins. Pain levé. Non, on va l'appeler Lafayette. Non, le Clémenceau. Non, le Clémenceau, c'était du lourd. On va l'appeler... Jeanne d'Arc. Non, on va l'appeler Lafayette. Ok. Continue. Remilitarisation de la Rhémanie. Il y a des nouveaux trucs en fait. Non, on va pas démonter la ligne Maginot. Non, 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 non. Allez là. Merci Vim, super. Les steaks de la guerre civile. Dans 7 jours.
capacité navale. Je sais pas ce que ça va donner, mais... pas tarder à le savoir. Pour nous dire que les Italiens vont nous rouler dessus. Nous le savons déjà. On reste démocratique, pour une fois. Ouais. Un petit doute là-dessus. Mais bon. Ah, c'est vrai qu'ils font la grève pendant 6 mois, les Français. Ils aiment bien faire la grève, les Français. Je me rappelais pas que... l'Islande est au Danemark. Bref. Voilà, qu'une flotte. Merde, ça s'appelle flotte de réserve du coup. What? Comment je fais pour enlever flotte de réserve là ? C'est une connerie ça. Salut Algus. Des escadres sélectionnées des flottes de réserve. Oh. Pourquoi c'est une flotte de réserve ça? Et puis que dalle. Hein.
qui est sur l'autre plot. Ouais, non, mais... calquer un bateau... on s'en met en flotte de rêve. Ouais, mais c'est son nom en fait. Le stress. Oh, je vais rien faire du tout, je veux 40 chez elle. Mais le truc c'est... non, non, mais... marin. Enfin, ça, je verrai ça plus tard. Ouais, dans la partie du bas. Ok, ok. Et en fait, ça me dit pas, j'ai pas les missions qui s'affichent. J'avais les missions. On passait où? J'avais un amiral aussi. Où est parti? Ah mais c'est en bas là. C'était pas là tout à l'heure, c'était en haut. What the fuck? Tout à l'heure quand j'ai cliqué, j'avais encore la barre en haut là. Pourquoi elle est en bas maintenant? Ok. Bon. Ou pas. Pas grave. Ça, c'est ma flotte de porte-avions, moi. Je veux qu'il y ait une icône d'avion dessus. Et du coup, il fait quoi si je fais ça? Reste caché? C'est bien, reste caché. Bon, en théorie, il faut différencier les flottes de patrouille des flottes de combat. Ouais. Bah, j'ai une flotte. Ouais, y a pas de patrouille. Moi, je vois quelque chose qui passe. Boum, ça pète. Enfin, en théorie. En pratique, on verra. Ouais, de toute façon, c'est un début de partie. En début de partie où je vais me faire péter le fion de toute façon. Ah, elle va pas disparaître mon essence, ça bougera pas là. Bon, ok, donc y a pas de guerre. J'ai mis le mode reste caché dans le port et dès qu'il y a quelque chose qui passe d'ennemi, on sort, on le pète et on retourne se cacher. Deux et demi pour cent. Pas grand chose pour l'instant à faire. Pas assez de soutien à la guerre, je peux rien faire. Non, je les ai pas envoyés se balader. Et fous-toi. Ils vont me ruiner. Ils vont me ruiner. Hmm. 58 jours.
À peu près une demi-année. Un peu moins. Peut-être à le prendre lui ou alors aller garder les points. Tellement pris l'habitude de jouer communiste ou fasciste que... Là j'ai un chronomètre au-dessus de la tête qui dit que les Allemands vont péter la tronche. Non, le bureau de travail. Et où le bureau de travail silencieux? Poids politique, plus 15%. C'est bien ça? Jamais pris en fait. Ça me ferait 15% de 2. Ça me ferait plus 0,30. En gros, je serais à 0,42. Je me plante pas dans mon calcul. À 0,42 au lieu de 0,12. Ça veut dire que ça monte 3 fois plus vite. En vrai, tu sais quoi? On va tester. Je pense que c'est moins que ça. Bah tu sais quoi, on va regarder. 15%. Ah c'est ça, hein, 0,42. Ouais bah c'est 15% de 2. Donc 15% de 1, c'est 0,15. Donc 15% de 2, c'est 0,30. Donc avec mes 0,12, ça fait 0,42. T'inquiète, je suis pas très fort à ce jeu-là, mais les maths ça va encore. 0,42, c'est pas mal. Pas mal du tout ça, c'est une bonne idée. Gagne. C'est facho. Ouais, forcément. Hein. Pour une fois que je joue pas fasciste, c'est les fachos qui vont gagner. Hein. J'aurais pas pu faire gagner les communistes que je puisse continuer à faire du commerce avec. Mais non. T'as beau jouer en historique, c'est ultra aléatoire l'Espagne. Souvent les fascistes qui gagnent, mais des fois il y a les cocos. Genre là, mercredi et jeudi, on va faire une partie en multi, où je vais jouer la France, mais côté fasciste, parce que mon binôme va jouer l'Allemagne, et on va essayer de faire un petit triangle en incorporant l'IA italienne avec nous. Et tu peux être sûr que dans la guerre, si on l'aide pas, les cocos qui vont gagner, alors que c'est toujours les fascistes qui gagnent d'habitude. C'est honteux, le jeu est contre nous. Enfin, contre moi plutôt. Bon. Oh non, c'est bon, il n'y a pas de pause en fait. Ça vaut encore le coup du coup de faire tourner ces sous-marins un peu partout là, comme vous m'aviez conseillé à une époque. Ou pas? C'est pas la question. Une blague là? Attends, il marquait quoi là comme date? 1957?
Et tu veux que je fasse quoi, quoi pour faire de la marine avec un porte-avions où il finit en 1957? Le jeu va même pas jusqu'en 1957, je suis sûr. Un problème, chef, chef, un problème. Blague. Eh, si j'en mets un, c'est bon jusqu'en mars. Eh, 12 mars 2019. Eh ben, il est bientôt prêt. Dans 9 jours, il est prêt. C'est le porte-avions, la plus longue création de porte-avions. Poum ! Regarde-moi ça. Mais tout à l'heure, il sortait en 38. Et là, maintenant, il sort en 57. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Telle est la question. Pourquoi ? Ah, mais j'ai plus assez, là. Il manque des composants pour ce modèle. Je comprends rien. Et honnêtement, je comprends rien. Est-ce que c'est un baragouin ? Ah oui, c'est vrai que la France, elle en grève. J'avais oublié ce détail. N'empêche que tu noteras que là, avec un seul chantier, c'est 12 mars 2019. Imagine le porte-avions qu'ils ont mis en construction en 36 et qui sort en 2019. Le truc, il est pas du tout à la ramasse niveau technologique. C'est-à-dire que les mecs, ils font « Ok les gars, on a fini de le construire !»« Ok les gars, on le démonte !» Direct. Direct. Ouais, la France est toujours en grève de toute façon. C'est le pays pour, hein. On peut le dire. C'est le pays par excellence où il y a de la grève partout. Et s'il n'y en avait pas, il faudrait la trouver. Tu regardes, il y a un mode de jeu dans lequel tu n'as pas de grève en France. Tous les fachos. Les fachos ont pas de grève. Tu veux faire grève ? Colle une bastos. Pas de grève. Popé de style de vie. Priorité de carburant. Armée, aviation, marine en dernier. Bim ! Ils tiendront côte à côte. Ouais. C'est une bonne idée, mais... Je vais essayer. Relâchement de la côte. Ah, fin des grèves, bah voilà. Là, on est bon, là. Ah, je préfère, là, août 38. C'est un peu plus... Pressé un peu tout à l'heure. Et oulala, oulala, oulala. Non, pas tout. Ouais, tu me diras, il faut quand même 2 ans, quoi, tu veux. Tu m'expliqueras conversion de cuirassé, quoi, alors que c'est un porte-avions. Là, il y a conversion de croiseur. Je comprends rien du tout. Mais vraiment rien. Fais-moi pas comprendre. C'est pas un porte-avions, ça, y a pas de... Bon, rien. Bon, vraiment rien. On doit pouvoir transformer un des croiseurs, un des cuirassés existants, et pour le reconstruire et le transformer en porte-avions. Un truc comme ça. Non, ça a pas de sens. Ça a pas de sens.
Algérie, Galissonnière. Tous les deux de niveau 1, mais c'est pas les mêmes. Ouais, c'est ça, c'est un porte-avions qui peut pas transporter d'avion. C'est peut-être pour ça que je peux pas le construire d'ailleurs. C'est pareil, là, il manque au moins un composant à ce modèle. Ah, ça veut dire que le plan, il est pas fini en fait. Ah, je viens de comprendre. D'accord, il faut au moins une salle de torpille. Ah, c'est des trucs qui sont pas finis. Ah ouais, parce que maintenant ils commencent le jeu avec des sous-marins qui sont pas finis, quoi. Compris. Un porte-avions sans avion. Ouais, mais j'ai vu que les bateaux faisaient boum. Littéralement. Les avions ils font plouf et les bateaux ils font boum. On fait ça là. Et là, après ça part en sucette de ouf. Regarde, j'ai plus de champion. Priorité de réparation élevée. Bah, je suis déjà en élevé. Déjà en priorité élevée. Non, mais le problème, c'est pas que je domine pas la mer. C'est que ça me consomme de ouf. Ah, par contre, 1.5. Ouais. Attendez, les mecs, on rentre là. J'ai 17 jours de carburant. J'ai plus de jours. C'est fini, j'ai plus de stock. J'ai tout ruiné. J'ai tout ruiné avec ton entraînement. Je déteste. Je viens de ruiner la France. La France est ruinée. Il a perdu la moitié de sa réserve de pétrole sur un mouvement de flotte. Au revoir, baril de pétrole. Ah, la violence! C'est pas prêt! Créer une nouvelle escadre. On va prendre tous les sous-marins. On est des thugs. Marche si je fais ça. Pas de française, je fais force de frappe. C'est le même mec qui dirige les deux en fait. Le mec qui fait tout. Le mec qui fait tout. Trop fort. Le mec il est partout. Il n'a aucune limite. Améliorer le navire. Je peux l'améliorer. Swag. Swag de poule mais swag quand même. On fait voir combien il me reste là. Nous allons manquer de carburant mon capitaine. Que 0,5 par jour et j'ai plus de carburant déjà. Avec la France, c'est une idée de merde, j'ai l'impression. Hein. Faire de l'entraînement maritime. J'ai pas la production de pétrole pour. Hein. Moi, je suis un pauvre. Hein. Moi, je suis un pauvre. Attends. Besoin. Pétrole.
peux aller voir. Je peux aller voir ça. Mais non, ils produisent pas. Mais, genre, les ricains, ils produisent pas de pétrole. Ah merde, c'est pas du pétrole en fait. Non. Ah oui, voilà. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Voir, ça fait quoi si je fais ça? Ah, je remplis mes réserves là. Ou pas. Ouais, bah c'est ça, Gus, c'est ce que je suis en train de regarder là, mais. C'est. Compliqué, hein. Une consommation. Bien de base, grâce au pétrole, je gagne 460. Ouais, bah ouais, non mais clair. Clairement, c'est la merdoum. C'est la merdoum parce que je peux même pas sortir ma flotte pour combattre en fait. Du coup, mes bateaux me servent à rien. Je les sors un peu trop. Ils vont rester 10 jours dans l'eau et pfff. Ah ouais. On rentre à l'arabe, les gars. Il y a plus de pétrole. Et les chars, mais les chars, ça doit être horrible. Horrible. Et les avions, mais les avions. C'est quoi, je vais faire un test, on va rigoler 2 minutes. Je vais rentrer mes sous-marins par contre avant de pomper la totalité du pétrole de toute l'Europe. Voilà, Jean-Michel, rentre dans ton port. Voilà, nickel. Ok. Ok. Pas de problème. C'est quoi ça? Système de contrôle de tir. Direction de tir. Alors stylé ça. 16 jours. Anti-aérien, anti-artillerie, artillerie lourde, pas de fiabilité. Vas-y fuck. Ah plus tard. Pas le temps moi. Ouais, 37 c'est bientôt là hein. On va pas s'embêter, hein. On va rigoler 2 minutes. Je vais prendre. Pourquoi je vais même pas les séparer, ça ne sert à rien. Prendre un pack. À peu près 600 avions. 125. On va rigoler 2 minutes. On va les mettre. Crémacier aérienne. Même mieux, tiens. Entraînement. On va rigoler 2 minutes. Ah non, là par contre, ça fait que dalle. On peut le voir direct dans le tooltip. On va le refaire en français courant, là. Je vais dégager parce que si je perds des bombardiers, j'en dis pas beaucoup. La consommation maximale pour armée terre. Nanana. Attends, tu m'as dit où? Alors, ta prod. Non, là. Non, c'est pas ça que tu me dis. J'ai pas tout compris ce que tu m'as dit. Ah, ouais, bah oui, d'accord. D'accord.
a mis un décalage en ce moment sur le stream. Faudrait que je réduise le tampon. Je l'avais réaugmenté l'autre jour parce que j'avais des soucis, mais... Attends, par contre, je vais faire voler jour et nuit. Ouais, les steaks. C'est de l'entraînement. Entraînez-vous. Allez, tournez viré. Ah ouais, là, ça pique, par contre. Ouais, là, j'en sors 574 sur les 767 si je sors tous mes avions. Quant à la marine... Ouais, je suis à 9300, ouais, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. J'ai plus de ça, j'ai plus de char, parce que sinon il y a l'armée de terre qui apparaîtrait. Rien que déjà, ça, ces deux-là... C'est à 10,1 par jour. Ça va être compliqué, hein. Rien que 508. Sans avoir construit d'avion, ouais, t'as raison, je suis déjà au-dessus, quoi. 769 sur une... Et je produis 48 de base, quand même. On en parle, que je produis 48 de base. Non, on n'en parle pas de ça. Je peux pas. En fait, la France, faut qu'elle joue sans avion, sans bateau, sans char. Et peut-être qu'il me restera un petit peu d'essence pour mettre dans les petites chaufferies à diesel dans mes usines, pour les faire fonctionner. Peut-être. Pas sûr. Mais peut-être. En vrai, je suis en train d'entraîner mes avions histoire de ruiner la France, quoi. Ça a pas l'air de marcher, en fait. Je gagne 0 en... Ah si, je gagne 0,022 par jour, du coup. Ah, vas-y, casse-toi. Mais vous êtes viré. Cassez-vous, j'ai dit. Allez, vous balayez. Allez, on rentre. Ah oui, ils se posent comme ça en piqué, eux. Bim. Voilà, techniquement, on n'a plus d'avions, ils se sont tous écrasés. Techniquement, nos avions se sont écrasés. Nous avons perdu tous nos avions. Ils se sont tous écrasés. Ouais, comme d'hab. Pas chaud, vous gagnez, là. Les petits communistes démocratiques sont en train de se faire rouler dessus. Voilà, j'ai plus d'essence là. Ouf ! C'est la chute. J'ai la chute des haricots. Bon les gars, on va économiser pendant 5 ans pour pouvoir utiliser nos bateaux pendant un mois. Ok ? Je dis pendant 2 semaines. Réserve de flic là. Mais casse-toi ! Et j'espère que tu consommes pas mon carburant, toi, hein, avec ton gros bateau, là. 12 navires capitaux. Ben, bien sûr. En vrai, rien que pour traverser la Manche, j'épuise tout le pétrole français. Non, mais c'est tellement ça, en vrai. Elle va voir des bateaux, elle va faire... Oh, ils sont là! Allez, les gars! Arrivez droit devant. Tirez! Qu'on n'avance plus.
Sortez les rames. Attends, y'a pas une option rame? Attends. Y'a bien une option rameur. Navire. Elle est où l'option rameur? Ça doit être par là, là. Doit y avoir une option rame. Là, tu sors des rames, là, sur les côtés. Hop, tu rames. Tu connais. Pas sûr que ce soit très très équilibré leur patch là. Ou alors il aurait fallu qu'ils augmentent la production de pétrole de base de tous les pays quoi. Là, ouais. Là, je vois pas à quoi va me servir la flotte en fait là. Je vois pas de possibilité en fait de l'utiliser. Ouais bah la France ça va pas hein. On est fucked. Et la France c'était marqué qu'elle était fucked. Bah fuck l'historique. Fuck l'histoire. Hein. Regardez-le. Traverse la France, le petit haut. Et hop, il repart. Au revoir. Bah, y'a un autre qui arrive. Y'a des touristes. Y'a des touristes anglais qui se baladent. Le reste, c'est YOLO. Ouais, c'est bizarre. Hein. Je pensais quand même que la France, c'était un pays majeur, tu vois. Elle est dans la liste des pays majeurs en tout cas. Mais non, c'est un pays majeur mais sans flotte. T'as des bateaux hein, mais... Je me demande même pourquoi je me fais chier en construire en vrai là. Je pourrais juste les dégager. Hein. Ah, il est quand même le centre d'intérêt hein. Regarde, elle se fait bouffer par l'Allemagne. Et elle est censée disparaître. On dirait que les navires français, ils sont tous restés au port pour se saborder. Donc, on n'a pas utilisé beaucoup de pétrole. On avait quand même quelques avions et quelques chars à l'époque. Ouais, Thug Life. J'ai 20% de mon malus, c'est déjà pas mal. Test de conversion, je m'en fous, je convertis pas moi. Ça, j'ai pour les sous.
Du coup, est-ce que ça vaut le coup que je me lance dans les chasseurs de chars pour compléter mes infanteries? J'ai un gros doute. Est-ce que ça serait nécessaire? Je vais jamais avoir les fonds. Ouais, mais full troupe et anti-char, pas convaincu, hein. J'avais pas l'impression que ça marche vraiment les anti-chars. Ou alors faut que je les mette en réelle unité, et pas qu'en soutien. Ouais, je pourrais essayer ça aussi. Ça consommerait moins d'essence. Ah, ça consommera pas d'essence du tout même. J'essaie de mettre des divisions d'anti-chars au pire dans mes troupes. Non, c'est juste pour de la défense. Ah, ça se tient. Peut-être partir là-dessus du coup. Je vais essayer ça. T'en faut deux en réelle unité, plus en soutien. D'accord. Ça veut dire que là, par exemple, sur mes divisions d'infanterie. Bon, j'ai pas encore, mais. On enlèverait une. Ça donnerait quelque chose comme. Ouais, disons que c'est de l'anti-char, ça donnerait quelque chose comme ça. Pas de l'anti-char, donc je vais pas valider, mais. Ça donnerait quelque chose comme ça. Ah merde, j'arriverai à 22 du coup. Ouais, c'est ça, c'est taille 3 par contre. Ça, plus, plus en soutien, quoi, ça donnerait assez dans ça, quoi, en fait. On est d'accord. On est d'accord. Donc, en gros, après, ça me ferait mettre anti-char. Et génie aussi. Donc ça me ferait mettre. Ça me ferait ça, 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 ferait, une... ça ferait 30 en fait. Donc j'ai assez. J'ai assez pour faire le template complet. Après la question c'est est-ce que je garde la division d'infanterie et les alpines? Est-ce que je les garde? J'en ai 4, je peux pas en faire d'autres, en plus ils ont des détails de merde. J'ai jamais quoi en faire de ça en fait. Je sais pas si juste je les dégage. Si je les ai, si oui, ou si je les édite pour les remettre à 20. Ah non, mais on est d'accord que j'aurais pas les moyens de toute façon. Ah oh bah ils sont là, ils n'en bougeront pas. Hein. Ah, pas de soutien pour les Alpins, ils se démerdent. Combattent dans leur montagne là, et puis basta. Hein. Bon, par contre, faut que je change ma construction là. Ça, ça dégage. Ça dégage. Et je passe en usine militaire. Hop. Après, il me faut...
Au pire, ça, l'artillerie tractée. On pourrait toujours la convertir. Ou alors, je convertis mes avions. En vrai, les avions, je vais jamais les utiliser. Ils pourront jamais sortir. Ouais, enfin, les avions, t'es mignon, mais... D'accord, mais l'ennemi sera tout le temps là, du coup, dans la merde. Je sais même pas pourquoi je crée ça, en fait. Ça sert à rien. Ouais, les enlever en vrai. Ça me ferait économiser de l'acier et du chrome. J'ai une game fasciste mercredi et jeudi soir, donc en attendant, j'ai voulu redémarrer ça. Et là, je suis en train de chercher un joueur pour jouer communiste. Ou une autre partie fasciste en parallèle de l'autre. Là, c'est plus pour voir la différence. Ah, c'est toujours pas fini ça. Relou de ouf. Après, je sais pas, la game de mercredi, j'ai peut-être pas joué la France en effectif, j'ai peut-être retourné jouer l'Italie. Quoique, non, la France, c'est bien que je reste sur la France quand même. Les Anglais qui se baladent partout. Hein. Bande de touristes.
D'ailleurs, je viens de remarquer que niveau production, ils n'utilisent plus de pétrole en fait pour créer. Ils ont remplacé ça. Le pétrole maintenant, il sert uniquement au carburant quoi. Tragédie de l'Hindenburg. Ben voilà. Allez, les Chinois s'énervent. Ça va partir en sucette. Gardez vos rangs. Attention. Gardez vos rangs. Écoutez. Vos ordres. Vos ordres. Attention. Ouais, le pétrole n'est plus dépensé en production, donc tu peux construire plein d'avions qui pourront pas décoller et de chars qui avanceront pas maintenant. Ouais, c'est cool ça. C'est vraiment cool. C'est bien pensé. Moi, j'aime bien. On est d'accord. Il va y avoir des beaux avions, attention, tout beaux et tout. Et je pourrais rien faire avec. Parce qu'ils seront tout cassés. Parce qu'il n'y aura pas une goutte d'essence dans le carburant. De carburant dans le réservoir, plutôt. Gardez vos rangs. Il est où, le... Arrêt. Elle est à la limite entre les deux. Attends, faut que j'en change une couleur, là, parce que... Ça me... Bien parce que tu peux prendre n'importe quelle couleur, la ligne de front quasiment tout le temps la même. Arrêt. Ah, là on voit la différence. En bas ça va être le même schmilblick. Gardez vos rangs. Bah, déjà on va supprimer ça. Attention. Attention. Eux. On va les mettre. Au vert. Un beau vert. Voilà, un beau vert. Écoutez. Et eux, on va leur mettre... Un petit marron. Marron et vert. Ça se voit, marron et vert. Nul. Écoutez. De toute façon, il y a combien de territoires? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 3 et 3. 1, 2, 3, 4. Ouais, non, 4 et 3. Écoutez. 4 et 3. Ça devrait le faire. Attention. Et en haut, bah en haut de toute façon c'est faussé parce qu'il va y avoir les Belges et tout le tintouin qui vont partir en sucette. Donc celle-là elle aura la bordure. Elle manque encore un petit cran. Celle-là ça grandira jusque là et j'aurai la dernière qui prendra le coin. Ça va le faire. Écoutez.
Toi. Lion mort moelleux. Pour l'instant, t'es pas avec les autres. On prend Tati Tassini. Et on lui colle une petite frontière ici, où il y aura un beau trou ici. À ne pas oublier ce magnifique trou, là où les Allemands passent à chaque fois. Gardez vos rangs. Voilà. Et eux, bon, on va les mettre... Pareil. Par contre, eux, on va les passer devant. Voilà, je préfère. Du coup... Bah lui... Aux ordres. Qui est lui? Il jamais du bon côté en fait. Pareil. Je peux pas le placer avant le... Pareil. Ah, il peut pas avoir un... Un Jean-Michel qui traîne encore là. Alphonse Georges. Appelle Georges le maréchal. C'est Jojo. Ah voilà. Aux ordres. On va même mettre devant. Voilà. Écoutez. Alors lui, lui ça va être le Thug Life. C'est pour la France. What? Pourquoi ça ressemble au drapeau belge maintenant que j'ai cliqué là, là? Oh. Oh. Je ne comprends pas. Ouais non, c'est parce que c'est le bleu qui est très foncé. Gardez vos rangs. Je veux pas comprendre pourquoi... La ligne bleue. Pareil. Et vous, en fait, on va pas faire rouge. Je vais prendre la même couleur que d'habitude. On va prendre noir. Attention. Noir, noir et jaune. C'est bien noir et jaune. J'aime bien noir et jaune. Attention. Noir, c'est tous les incapables. Pareil. Jaune, c'est les autres. J'ai mis tous les incapables sous le commandement du Charles de Gaulle. C'est pas... Je vais voir Tassini. Il est où Tassini? Attention. Tassini. Lui qui sert à rien en fait. Ouf, faudrait que je le mette là à la place de De Gaulle. Écoutez. Là du coup ici je colle Tassini, qui me sert à rien. Enfin qui me sert pas trop. Voilà. C'est mieux ça, ça me... Attention. Plaît. C'est mieux. S'amuser à tout déplacer. Et le jour où j'aurai une troupe d'attaque, elle sera en rouge. Ça, c'est... Pas pour tout de suite. Ça me dirait l'autre, c'est pas pour demain. Attention. Là, pour l'instant, on va le mettre où? On va le mettre avec les bleusailles. Et hop, chez les bleus. Militaire. On peut encore faire les canons par contre. Pas encore là. Putain, il me reste combien de temps là? Je dois bien le voir quelque part ça. 14 octobre 37. Août, septembre, octobre. Juillet, août, septembre. Ouais, il me reste un peu plus de 3 mois. Ouais, ça me laisse le temps de refaire encore une case. Ça me laisse le temps de débloquer la recherche.
Large, ça fait même pas plus de 2 mois. Il me reste encore 1 mois de battance. De battement. Canon. Ah, ça me plaît bien, ça. Je vais pouvoir commencer à produire des canons. Ça, c'est une mauvaise idée, par contre. Ça aussi. Ah, ça, par contre, c'est une bonne idée. Panier de génie. Ça, c'est cool, ça. Ça, j'achète. Ah, attends, j'ai dit qu'il fallait que je commence à produire de... des affichards. Même si ça va être un peu compliqué là sur le coup. Diviser un petit peu mes orties rétractées. Un peu plus d'antichars. Le pire, hein. Je vais être en galère de tout. Hein. On est déjà à mi-37 et j'ai que dalle en stock. Le modèle, on s'en fout. Arrêtez de me rappeler que j'ai des avions qui peuvent pas décoller. Je peux enlever l'usine sur le chasseur de porte-avions. Ah, j'ai pas encore assez de chasseurs en fait. Il m'en faut 80, j'en ai que 23. Ou alors faut que j'annule mes porte-avions. Est-ce que j'aurais pas... Ouais, aussi, je l'ai construit quand même pour les avoir de côté, mais... J'ai pas d'avion pour l'instant, c'est ça que tu me dis, quoi. Après, en vrai, faire des porte-avions, je suis pas sûr que c'est une bonne idée en vrai. Puis faire des bateaux tout court, de toute façon, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en vrai. Ouais, moi ce que j'ai peur c'est pendant les phases de combat en fait. Ma flotte elle détecte une unité et qu'elle va dans l'eau, ce que tu disais tout à l'heure quoi. Il va se passer quoi? Ils vont arrêter de combattre au milieu de l'eau et puis ils vont tous se faire couler. J'ai grave peur de ça en vrai. Gardez vos rangs. Attention!
Ouais, enfin, va se faire péter en 2 secondes aussi. Si j'utilise mon le peu de pétrole que j'ai sur mes navires juste pour les faire se péter pour le plaisir. Pas ouf non plus, hein. Je pense que tu seras d'accord sur ce point. Même si je sais pas si je vais pouvoir les faire décoller, il faut quand même que je fasse mes recherches sur mes avions. La base. Le mec il est déjà au taquet sur tout, hein. 2 milliers d'avions, 150 bateaux. T'inquiète qu'à mon avis l'IA elle en a du pétrole. L'IA doit pas s'embêter avec ça, hein. Clairement. Merde. Non défensive. Les anti-chars. Pour l'instant, on s'arrête à ça. Je mettrai les autres sur le côté tout à l'heure. What? Non, anti-char, c'est réduit là. KS16 en air de combat. Ça va pas ça? Attends. Ouais, bah non. C'est ce que. Le truc sur le modèle sur lequel j'étais parti au début. Ah bah non, je suis encore 18. Ah, c'est 1 en fait. Air de combat, c'est 1 pour les anti-chars. Comme quoi, tu les utilises souvent. On a encore plus de troupes que prévu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'artillerie tout court qui est à plus 3. Mais là, l'artillerie tout court, c'est pas trop le problème, là. J'en ai pas besoin. Déjà, moi, je suis déjà full infanterie. D'ailleurs, je me demande dans quel cas dans l'artillerie, ça serait OP. Comme les canons anti-aériens, en fait. J'ai du mal à les voir OP sur une ligne de défense. Après. Normalement, je prends l'allemand et j'ai pas d'anti-char vu que c'est moi qui ai les chars. Ouais. D'accord. Mais là, mec, si tu commences à vouloir faire des chars. Gardez vos rangs. Tu vas me mettre une balle, quoi. Littéralement. Littéralement. Badaboum. Allez, Algus il a level up, il est passé 25. par contre, c'est bon ça du coup. Non. Attends, c'est octobre, je crois que j'avais mis. Ouais, par contre là, j'ai over dépassé. Bravo, ça fait des. Les points de gouvernement. Qu'est-ce que je vais faire du coup là? Pour attendre pour faire le service obligatoire en vrai.
Pour 20% de soutien à la guerre, je suis déjà à 19. Industrie civile. Que je fasse dans les industries civiles? Dans la mauvaise idée, ça, industrie civile. Ou alors, j'ai pas compris ce que tu me disais. Ouais, mais ça ne sert à rien, j'en construis plus d'industrie civile. Ouais, mais j'en construis pas. À la limite, que je prenne celui d'usine militaire. Ouais, je sais, mais du coup, tout à l'heure, je suis parti sur le poids politique avec l'autre. Après, je sais pas trop. Tu vois, pour une fois, je pense que je vais pas t'écouter. Je vais attendre, je vais le garder, je vais attendre d'être à 20%. Que je vais vite tomber en rade de mec là. Et j'ai besoin de troupes en fait, plus qu'autre chose. Un an de trop. Salut Balou, bienvenue à toi sur le stream. 38. On n'est pas trop loin. Ça, c'est déjà en recherche. Ça, je m'en tape. 39, 36. 39, ça, c'est en cours. C'est du côté upgrade des dégâts. Il me reste encore 16 jours. J'ai 16 jours à full poids politique. Très lourd. Très lourd. Mais non, la stabilité diminue. C'est une bonne question. Une blinde de temps, hein, vu que j'ai toujours le malus. Allez, vous pouvez là. 545 jours. Mais non! Dans 40 avec 100 XP, mais j'ai pas 100 XP. De Dieu. Et enfin le malus qui apparaît là. C'est pas tant que ça avant. Oh, j'ai des palpitations cardiaques, je vais mourir les gens. 540 jours. Allez, si tu coupes à quelques mois après, ça fait pratiquement 2 ans quoi. Un an et demi on va dire. Pain de Dieu. Pas bien là. Ça m'a mis mal. Mais pas bien, hein. Voilà, je prends un risque en traînant pendant 20 jours, mais ça me fait économiser 50 jours derrière. 14 au top, 37. Ouais, tu m'étonnes. C'est plus cher. Pique les yeux, oui. Même plus un tarif à ce tarif là. Nice.
enlève le gouvernement incohérent et Fissa. On est déjà en 14 octobre 37. Gardez vos rangs. Alors, eux, être là. Merde. Une coloniale. Edith m'a divisé une coloniale par contre. Il enlève. Enlever les canons en fait, sinon ça enlève les supports. Attention. Oui, finissez votre entretien, tant pis pour les canons. C'est normal, j'en fais qu'un, je peux pas d'autre. Lafayette, on va l'appeler Clémenceau. Voilà. Parce que j'en ferai pas d'autres de toute façon. Donc, donc ils profitent de leur nom. Lui, on peut, il est full upgrade. Attention. Obligé de tricher encore, hein. Je vais pas y arriver. Galère d'infanterie. Attendez, je reviens, il y a un souci. Microphone muted. Microphone activated. Boom. Alors, il est quelle heure hein? Ah ouais, 7h30, c'est pour ça aussi. C'est la crise en bas. Microphone muted. Microphone activated. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Je sais pas si je vais continuer ce soir ou si je continuerai demain. Il y a de fortes chances que je continue plutôt demain. Alors, ça risque d'être un mix entre Anthem et Diablo. D'autres demain. Ouais, demain après-midi. Parce que demain, ouais, demain soir, c'est pareil, j'ai la suite de. J'ai la suite de Dawn of Man demain soir à streamer, la dernière partie du premier épisode. Enfin, la troisième. Le troisième et dernier épisode de la première partie plutôt. Et puis j'ai encore. Putain, j'ai encore Sudden Strike 4 à faire aussi.
Il est parti en coop sur Anno 1404 et sur Iron aussi, faire dans la semaine. Même si Iron c'est mercredi jeudi, j'ai le temps. Ah, il y a plein de trucs en prévision. Je sais pas quand est-ce que je vais continuer ça en vrai. Je pense que demain après-midi. On trouve le temps demain après-midi. J'ai plus d'usine. C'est moi ou ça se construit plus vite qu'avant les usines? Je sais pas si c'est moi qui suis totalement dingos ou mais j'ai l'impression que ça se construit plus vite qu'avant. C'est bon. Bien. Ouais, de toute façon faut que je fasse des bunkers. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Calme-toi, calme-toi. De toute façon, ça doit m'en mettre deux de base, je crois. Quand je vais faire la recherche sur la ligne Maginot, pour prolonger la ligne Maginot. Et pour les Alpes, ça va m'en donner deux, je crois. Alors, si j'en fais deux de base, ça en fera déjà quatre, un peu partout. Tac, tac, tac. Je crois que oui, hein. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Me semble bien que oui. Alors attends, parce que du coup j'ai eu combien d'usines encore en construction? 2? 3? Encore 3 usines, je vais y arriver. 1, 2, 3. Pas ça quoi. Ah non, merde, il y a ça aussi. Laisse ça comme ça, ça fait 1, 2, 3. C'est les 3 usines que je vais faire. Sans compter les recherches et autres. 37, 1,6 de malus. Ah putain, ça fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Celle de campagne, le logis. En vrai, logistique, ça pourrait être intéressant de les mettre maintenant, parce que ça réduit la consommation de carburant. Peut-être là l'intérêt de la logistique. Si le carburant coûte un bras, mettre de la logistique pour réduire la conso de carburant, c'est pas dégueulasse. Ça donnerait peut-être enfin une raison d'utiliser la logistique. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Ah, et les amphibies aussi, c'est vrai. J'avais oublié cela. Bon, pas me servir, hein, moi, mais bon. 39. Ouais, je peux pas faire ça maintenant. Ça va me prendre 300 jours. Un an presque. 39. Ah, la ligne. On va monter à 19%. Je me débarrasse de vainqueurs de la Grande Guerre. Pas prêt de m'en débarrasser en vrai. Parce que là c'est gouvernement incohérent que je suis en train de virer. Ça va augmenter ma stabilité. Ah mais ça joue pas. J'attends que la tension mondiale monte encore un petit peu quoi. D'accord, ok. Correct, les pompes. Non, PPMP. Aux ordres. Ah, stop.
Eux, ils ont bien travaillé, eux. Je vais les remettre en infanterie, non. Tac. Jean-Michel. Alors, on va en prendre... Gardez vos rangs. Prendre 3. On va les mettre là. Pareil. Les autres, à côté. Mais c'est pas grave. En même temps, tu peux demander aux autres. Je peux prendre des tollés depuis le début. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Après, si je veux gagner, quand je veux gagner, en vrai, je la fais tourner côté communiste, la France. Après, c'est beaucoup plus facile. Bon avion. Oh, les bons avions. Un mois. Ouais, t'es gentil, toi. La dernière fois, ils ont mis quoi? 2 semaines, je crois. Ouais, ils ont dû mettre 2 ou 3 semaines, je crois, la dernière fois. Bloom. Qu'est-ce qu'on va faire de lui, Bloom? Pour l'instant, on va rien faire du tout. On s'est calmé. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter, là, parce que... Il est 19h, largement pas assez. Sinon, je serais pas prêt pour le stream de ce soir. Bon, massif des unités. Hop. On le fait à la roumaine. Écoutez. Pour vouloir. Poser quoi que ce soit. Alors. Envoie 25 unités de bombardiers tactiques, 50 unités de chasseurs. Ouais, on voit les chasseurs, il y a des tags. Pareil. Mais non, quelle idée. Elles sont cachées, mes troupes. Elles sont cachées, mes troupes. Moque pas de troupes, voyons. À 4, ils vont tenir l'Italie entière. Y'a pas de problème. Ah, je sais, Balou. Écoutez. Tu me vois perdre à chaque fois, Balou. Je sais. De la France libre, tout compris. C'est tout compris. La France écrasée. Pareil. Hop. On les envoie ici. Bon, les deux premières sont presque prêtes. C'est bon. On sera dans les temps. Merci Balou, c'est cool pour le follow. Pas encore. Je peux même rajouter des unités. Ah, je peux faire mon tag. Je peux rajouter des unités poison. Et je peux avoir assez de matos pour tout le monde. J'ai pas assez de matos pour tout le monde.
ce patch, Luffy spawn ou pas. Et donc pas de séparation des colonies, de l'armée et de la marine. Attends, parce que là c'est la PLS du matériel. La guerre a même pas commencé que je suis déjà en PLS de matériel. On dit long, hein. On dit long sur comment je vais finir. Aux ordres. Pense libre très puissante. Hein, en vrai, ça serait pas dégoûtant, hein. Ça serait pas dégoûtant. On verra. On verra comment ça se passe. Le moment Venux. De toute façon, là, j'ai mes divisions. Celle-ci. Mes anti-chars. Avec compagnie de génie. Hop. Mais ça en attente. Tout à fait. Tout à fait. C'est même plus un déficit. Surtout que maintenant, quand on regarde que je peux même plus utiliser ni mes avions ni ma flotte, que la France n'a pas de pétrole. Si je sors ma flotte, en gros, elle peut naviguer pendant une vingtaine de jours à peu près. Même pas de quoi le temps de faire un combat en fait. Donc j'ai plus de flotte. Niveau aviation, bah, j'ai plus grand chose. Niveau blindé, déjà d'une, je peux pas les produire et deux, je pourrais pas rouler avec. Donc voilà, ça c'est fait. Donc bon. Voilà quoi. J'ai envie de dire. On est dans le mal, on est dans le mal. Et puis là, ça veut pas passer à 20%. Après, faut voir. On est qu'en janvier 38. Encore jusqu'à mi-39. J'ai un an et demi. En un an et demi. Là, en un an, j'ai fait deux divisions. En un an et demi. J'ai le temps de refaire les trois autres. Donc j'en aurai deux en bas. Deux, trois en tout sur la largeur. Après, mon problème principal, ça sera est-ce que je vais avoir de quoi les équiper? Ça sera ça le problème. Après, avec trois divisions en haut, deux en bas. Si les Anglais me lâchent pas, il y a peut-être moyen de tenir un petit peu. Ouais. Ouais, c'est un peu chaud quand même ton idée là. Il n'y a pas grand chose quand même en France de base. Hein. Donc si tu détruis tout. On disait des. Pff, ouais, je sais plus parler quoi. Désolé, t'as pour PMP et puis toi, Balou, du coup, vous êtes arrivé à la fin du stream. Parce que là, 19h en général, c'est là où je m'arrête. 19h, 19h30. Là, c'est pas que je suis à la bourre, mais bon. J'ai commencé un peu tard. En plus, on a fait plusieurs jeux cet après-midi, donc. Voilà. Et si, Neil, c'est fini. Moi, avant la guerre, tu peux tout détruire. Non. Je ne détruis pas tout, moi. Je ne saccage pas la France. Laisse les Allemands le faire. Non, je peux pas. Je peux pas parce que sinon je serai pas prêt tout à l'heure pour le stream. Voilà. Déjà qu'il est loin d'être sur le stream de ce soir. Alors si en plus je suis pas là, il sera encore moins là. J'ai bien compris.
Balou, il joue la technique de la terre brûlée. Derrière lui, il n'y a plus rien. Bon, du coup, je vous abandonne là pendant au moins une bonne heure, voire peut-être une heure et demie, le temps qu'ils arrivent. Pour un stream multi sur Anthem, si jamais le stream multi sur Anthem n'a pas lieu, il y aura un autre stream sur autre chose, je sais pas quoi. Peut-être ça, peut-être pas ça. Mais c'est prioritaire Anthem si on est tous là. Et en deuxième partie de soirée, de toute façon, ça sera le petit stream coop sur Diablo habituel. Du coup, demain, rendez-vous demain après-midi pour un stream probablement sur Heart of Iron. Et demain soir sur le dernier épisode de Dawn of Man. Peut-être qu'on enchaînera sur la suite de Dawn of Man. Wally Boualou. Donc du coup, pour ceux qui aiment bien HOI et qui ne seront pas là demain après-midi, je vous dis à la prochaine. Et pour les autres, je vous dis à ce soir ou à très bientôt. Allez, ciao, bye bye. Et à la prochaine. Et salut aussi à Algus, je sais que t'es caché par là. Salut à toi aussi. Allez, ciao ciao. Hey Balou, arrête de tout cramer.